Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'FAQ numéro 3, donc comme tous les dimanches. Donc vous avez été nombreux à m'avoir posé énormément de questions, je crois que j'avais plus de 200 commentaires. J'ai donc sélectionné 21 questions, parce que beaucoup de questions se ressemblaient encore une fois. Donc je tiens à préciser que vous pourrez encore une fois reposer toutes vos questions dans l'espace commentaire, cela est fait exprès, et on se retrouvera dimanche prochain pour l'FAQ numéro 4. Donc du coup vous posez toutes vos questions dans l'espace commentaire. Quand vous posez une question, essayez de regarder si la question n'a pas déjà été posée. Ce serait vraiment formidable, comme ça ça évite d'avoir plusieurs fois la même question, et comme ça vous pouvez avoir la réponse à votre question, car une FAQ est faite pour est fait pour ça. Donc je suis désolé, je suis encore malade. Oui, je suis très très malade. Bref, donc on va commencer avec la première question qui m'a été posée par The Extreme 7. Combien gagnes-tu grâce à YouTube sans être indiscret? Alors malheureusement, je n'ai pas le droit de révéler ce que je gagne par mois. Ça nous est interdit par notre network et par YouTube. Nous n'avons pas le droit de révéler combien nous gagnons tous les mois. Donc je vais répondre dans tous les cas à ce genre de questions, et je vais tout vous expliquer dans la vidéo où je vais vous parler de l'argent sur YouTube. D'ailleurs elle devrait arriver très 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 prochainement sur ma chaîne. Donc je pense que vous allez être nombreux à vouloir la regarder, et vous allez être nombreux à la regarder surtout. Donc question numéro 2 qui m'a été posée par Pilaf00. Le jour où tu auras 100 000 abonnés, que penses-tu faire de spécial? Alors déjà, il faudrait que je les atteigne, parce que je suis à 40 000 abonnés. 100 000, c'est encore assez loin, hein. 60 000 abonnés, il me reste. Vous allez me dire que ça monte vite, parce que voilà, il y avait quelques mois, j'étais à peine à 20 000, à 10 000, etc. Certes, mais ça monte pas vite. Ça monte vite, certes, mais 60 000 abonnés, faut le faire, et c'est vachement long. Est-ce que je compte faire quelque chose de spécial? Je sais pas, je vais voir. Je verrai comment évolue ma communauté, etc. Écoutez, je verrai bien. Je verrai bien. Donc, question numéro 3 qui m'a été posée par Kevin Sims. Est-ce que tu feras des lobbies sur GTA 5 pour tes abonnés? Alors déjà, moi, je ne réalise pas de lobbies, je n'ai pas de JTAG. Après, je ne vous conseille pas de faire des lobbies sur GTA 5 pour le moment. Attendez un peu, étant donné que Rockstar surveille beaucoup les serveurs et bannissent ceux qui font des lobbies. Donc, je ne vous conseille pas de faire des lobbies. Donc, faites vraiment très, 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 très attention. Donc, du coup, après, si le jeu avance et que Rockstar le surveille un peu moins et que j'arrive à trouver quelqu'un qui fait des lobbies gratuitement, bien évidemment que je vous en ferai partager. Question numéro 4 qui m'a été posée par Inès Bruxelles 1. Feras-tu une vidéo défi IRL ou sur un jeu? Oui, je pense, ouais, pourquoi pas. Après, j'ai pas forcément le matériel pour pouvoir filmer en HD ma caméra ou ma tête, etc. Donc je vais m'acheter une GoPro dans pas longtemps, comme ça je vais avoir quelque chose de potable pour pouvoir filmer, me filmer moi-même. Donc comme ça je pourrai filmer en HD, et je pense que c'est ce que vous aimez le plus, l'HD. Donc, question numéro 5, qui m'a été posée par Perle Ama. Tu passes plus de temps sur Facebook, YouTube, Twitter ou un autre site? Alors je passe plus de temps sur Twitter et YouTube, plus sur Twitter maintenant parce que je tweete beaucoup, je parle beaucoup à mes abonnés, je poste souvent des tweets, des conversations que j'ai avec des personnes, je poste vraiment beaucoup de choses. Et la deuxième question, comment choisis-tu les questions pour cette série? Bah écoutez, je vais tout simplement le jour où je fais la vidéo, donc je la fais souvent le samedi ou le dimanche même, comme ça j'ai vraiment toutes vos questions. Je vais dans l'espace commentaire, je screen vos questions, je regarde les questions, je screen les questions qui me plaisent, et des questions, hein, je choisis pas forcément les questions au hasard ou par sélection, parce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre, pas du tout, je prends vraiment les questions qui me viennent
comme ça, et après bah, je les screen et après bah, je les mets sur mon écran. Et après bah, quand je quand là je suis en train de commenter, je passe avec les photos et j'ai les questions juste devant moi. Donc question numéro 6, as-tu risqué une chose dans ta vie? Je vois pas le sens de ta question. Je vois pas vraiment le sens de ta question. Est-ce que j'ai déjà risqué quelque chose dans ma vie? Non, je pense pas. En tout cas, je vois pas vraiment le sens de ta question. Mais c'est pas très grave. Question numéro 7. Quel est ton Call of Duty préféré? Donc ce sera Call of Duty Black Ops 2, malgré la communauté qui s'est vraiment beaucoup dégradée, mais ce sera Call of Duty Black Ops 2. Voilà. Question numéro 8. As-tu déjà eu des problèmes avec Rockstar? Pourquoi j'aurais eu des problèmes avec Rockstar? Parce que je fais des glitches et tout? Non. Certes, Rockstar me surveille sur Twitter. Donc il y a, je crois, GTA 5 Informer ou GTA 5 Info, le Twitter officiel de Rockstar sur les informations, qui me suit sur Twitter. Donc ils doivent un peu surveiller mon Twitter et ce que je fais sur YouTube. Après, j'ai pas eu réellement de problème avec eux. Non, pas eu de problème. J'ai dû envoyer des mails, ils m'ont répondu tranquillou, voilà. Question numéro 9. Dans la prochaine FAQ, tu pourras mettre une photo de toi et Bad Gameuse ou alors faire une facecam ensemble. Question de Valentin Lousteau. Alors, là ça va être compliqué. Donc mettre une photo de moi, j'en ai déjà posté sur Facebook et Twitter. Donc je vous invite à me rejoindre sur Twitter et Facebook. Donc j'en ai déjà posté. En ce qui concerne Bad Gameuse, Cassandra, c'est elle qui décide, hein. Je vais pas lui obliger et l'imposer de mettre une photo. Et de plus, je vais pas mettre une photo sans lui demander l'autorisation. Si elle n'a pas envie, elle ne mettra pas. Et je vais pas lui en mettre une photo si elle ne veut pas. Et ou alors faire une facecam, s'il te plaît. Bah, les facecams, comme je l'ai déjà dit, j'attends tout simplement mon nouveau PC pour pouvoir vous offrir des facecams. Pourquoi pas avec Cassandra, pourquoi pas, on sait jamais, pourquoi pas. Donc question numéro 10. Oui pour ta copine, mais nous montrer une photo d'elle. Et comme je l'ai dit dans la FAQ numéro 2, je suis célibataire. Malheureusement, je suis célibataire. Donc voilà, je suis célibataire, je n'ai pas de copine, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer de photo d'elle, tout simplement. Question numéro 11. Comment t'as fait pour avoir tout cet argent sur cet argent virtuose? Tu as glitché ou lobby? C'était quand, à l'époque où il y avait les défis de crew qui nous faisaient gagner énormément d'argent, j'ai fait ces défis, je suis arrivé jusqu'à 250 millions. Et du coup, bah, Rockstar m'ont pas pécho, du coup, j'ai vraiment pas perdu tout mon argent et j'ai tout gardé. Du coup, c'est pour ça que j'ai autant d'argent. Question numéro 12, MW3 ou Call of Duty Code 2? Donc, ça sera MW3, question de Fleury Champ. Question numéro 13, donc de Jack l'Éventreur, ton pseudo m'intrigue quand même, ça me fait peur. Tu préfères les courses ou les affrontements? Ce sera les courses. Question numéro 14, encore Bad Gameuse, elle te manipule mec, MDR, bonne chance avec elle. Donc là c'est pas une question, c'était plus une réaction d'un mec qui m'a beaucoup fait rire, qui est de Krieger Prod. Encore Bad Gameuse, oui elle est tout le temps là, elle est tout le temps avec moi, elle est tout le temps, elle revient tout le temps cette Bad Gameuse. Question numéro 15, pour quand la facecam? Bah quand je l'ai dit, quand j'aurai mon nouveau PC. Question numéro 16 de Noah Gazi, Monsieur Virtuose, que représentent les glitches pour toi? Bah c'est tout simplement une passion avec Venger, donc les glitches, Venger et moi nous sommes passionnés, donc on fait des glitches pour notre passion, tout simplement, voilà. Question numéro 17 de Imagination Deserto, quel est ton sport préféré? Donc ça sera le handball. Question numéro 18 de Shadow Gaming, comptes-tu faire autre chose que du GTA 5? Oui, je fais quelques vidéos sur Call of Duty, mais mon gros kiff reste quand même le GTA 5. Question numéro 19 de Sam Turcotte, as-tu déjà voyagé? Si oui, quel pays et ville? Alors oui, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai déjà été en Italie. J'ai déjà été en Espagne, j'ai été en Corse, j'ai été en Angleterre, j'ai été en Thaïlande, j'ai été au Vietnam. Voilà, c'est tout simplement tout ça. Donc j'ai fait l'Angleterre, Londres, l'Italie, l'Espagne, j'ai fait la Corse, j'ai fait les Alpes,
J'ai fait la Thaïlande et le Vietnam. D'ailleurs, je suis parti au Vietnam cette année. Donc si vous m'avez suivi, si vous me suivez depuis le mois d'avril, vous savez que je suis en vacances. Donc question numéro 19 de Hugo Dufay. Aimes-tu Minecraft? Si oui, regardes-tu des youtubeurs Minecraft? Alors oui, je suis, je veux pas dire un grand fan de Minecraft, mais j'aime beaucoup Minecraft. Et est-ce que je regarde des youtubeurs qui font du Minecraft? La réponse sera non. Et pour terminer, la question numéro 21 qui m'a été posée par Pierre Gazemajor. Est-ce que tu vas lire ma question? Bah oui, tout simplement, oui, je lis ta question, voilà, c'est fait, ça c'est dit. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ numéro 3, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser encore une fois toutes vos questions dans l'espace commentaire, je lui ferai un plaisir d'y répondre lors de la FAQ numéro 4. Vous pouvez très bien poser des questions en ce qui concerne ma vie personnelle, si ce n'est pas trop indiscret, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et du coup, voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tout ça très très bientôt, allez, ciao bébé tout le monde.